So, today you asked me to talk a little bit how to connect with continue practice of the link with the Root Lama. So, of course, I will talk this, and also I just want to express today's very sad time, not only here but everywhere in Kamakaju. Followers and centers, monasteries, because presence of Lama Tenzin in his human life, he did a lot of important things. You know, important things. Maybe most people don't know what I feel, but he did really important few different steps. You know. Là, c'est bon. Ouais. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de prendre la parole et d'expliquer comment pouvoir se relier avec une continuité de la pratique et comment se relier donc par cette continuité de la pratique à son lama racine. Avant cela, je souhaite exprimer quelques mots parce qu'aujourd'hui est un jour très triste ici, pour ici, mon chardon, mais aussi en fait pour tous les pratiquants karmakagyu. Et les monastères Karmakagyu. Parce que, au cours de sa présence dans cette vie, Lama Tenzin a vraiment, dans cette vie humaine, Lama Tenzin a vraiment accompli un grand nombre de choses importantes. Et peut-être que parmi vous, peut-être vous ne le savez pas en fait, mais il y a plusieurs choses qu'il a accomplies et qui sont d'une importance significative. For example, first, 1975, His Holiness Karmapa explained to us. Saying Dhamma is very important for the country, human beings, you know. Not only few people's interesting, but basic Buddha Dhamma is really important many human beings and the country. So beginning I didn't really understood, you know, because everywhere we are used to grow Dhamma, so we see important, but how much important, but later, then gradually, when you deal with the people, then we understand how much benefit people got. You know, due to the practice, understanding different discrimination of the karma, how cause of the karma, how important human beings take care of each other, how important spiritually important develop yourself. How important, you know, like all destination individual, less confusion. You know, these things are really very important for the human beings, you know. Par exemple, en 1975, le 16e Karmapa nous a expliqué à quel point le Dharma était important pour les êtres humains qui habitaient en un lieu. Parce qu'il a dit qu'en fait, le dharma du Bouddha était quelque chose d'éminemment important pour les gens qui habitent dans un lieu où il n'existe pas. Moi-même, je n'ai pas tout à fait compris au début, parce que, évidemment, j'ai eu l'habitude, j'ai grandi dans un environnement où le dharma était présent, donc je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et puis, c'est progressivement, en étant là,
en étant au contact des gens, en étant en relation avec eux, que j'ai réalisé en fait combien le dharma était important et combien de bienfaits il pouvait apporter, combien sa pratique pouvait générer de bienfaits. Parce que nous pouvions voir alors très vite comment, combien il était important qu'il y ait une compréhension du fonctionnement du karma, combien il est important que les êtres humains prennent soin les uns des autres, combien il est important de pouvoir progresser ou se développer soi-même, combien ça, prendre soin de sa prochaine destination est également quelque chose d'important pour les êtres. Like the same, you all have experiences. When you don't want dharma, even you see one mosquito, don't feel so much easy to kill. If you need to a little bit cheat people, happy to cheat, you know. I mean, when you cheat means you get some results, so this way. And if you a little bit harmful things, you don't care. Somebody harming animals and beings, you say it's normal life like this, you don't know, you know. So now when you see individually, if there is a mosquito, I mean, a very small example, oh, I should not kill, just rid off this because I don't want to be eaten, but I don't want to kill. And then some situation, you have to manipulate, cheat, say, oh, I get a result, but I try to not manipulate people, you know, not lie. You know, these kind of very little things. Due to the Dharma, human beings' mind turn to the positive, you know. So then we know how to practice, we know how to dedicate, we know how to help, kind of a very proper way. So these things are single, like a situation, not big things, of course, but a very single situation changes. So we know a little bit of cause and effect, we know interdependent, so many things we know. So that's where then I say, oh, come up by saying non-Buddhist country, if Buddhist teaching comes, it's very important. Then little by little, really we see it's true, because really help individually reduce all the negative kind of very little things, but a very big surface. You know, this you have always experienced. So then I said, oh, this is really important. Dharma is for the country like European country. We don't have a Dharma before. And United States, South America, they don't have the Dharma. You know, that since when people are involved, Dharma totally changed and became much tolerance, much understandable, much contact. You know, these things that we really see. That now what Karmapa is saying is really important for the human beings, you know. Nous avons tous, en fait, ici l'expérience que de ce qui s'est passé lorsque l'on ne connaissait pas le dharma. Quand nous ne connaissons pas le dharma, bien tuer un moustique, par exemple, c'est quelque chose de facile. Lorsqu'il s'agit de tromper quelqu'un pour avoir un résultat plus facilement, eh bien on va le faire également. Donc, à ce moment-là, quand il n'y a pas de connaissance du dharma, nuire à un animal, nuire à un être humain, est quelque chose finalement de normal. Et puis, on peut le voir après, avec la connaissance que nous apporte le dharma, nous pouvons voir individuellement que, bien oui, le moustique, on va peut-être juste essayer de le repousser ou de s'en débarrasser, mais sans le tuer. Et puis, nous allons voir aussi, en fonction des situations que nous rencontrons, que peut-être pour avoir un certain résultat, il serait plus facile de manipuler ou de tromper quelqu'un. Mais en fait, on va se rendre compte que c'est peut-être pas la chose à faire, et ceci, en fait, grâce à la connaissance du dharma. Donc, nous voyons qu'il y a des petites choses, des choses tout à fait insignifiantes qui, grâce au dharma, permettent que l'esprit humain emprunte une direction plus bénéfique, ou se tourne vers quelque chose de bénéfique. Donc nous savons à quel point la pratique du dharma, nous avons cette expérience à présent, à quel point cette pratique du dharma est quelque chose d'important, et à quel point se dédier à cette pratique permet vraiment de changer des situations.
comme par exemple connaître le karma, les causes et les effets, le processus karmique ou encore comprendre l'apparition en dépendance, eh bien tout ceci, j'ai pu comprendre au fur et à mesure du temps à quel point dans un pays où le dharma n'existait pas, le fait d'amener ces notions-là est quelque chose de capital, quelque chose de vraiment important. Et j'ai pu voir progressivement, pas à pas, combien cela était vrai et était utile et aidant, parce que cela aide à réduire les actes néfastes, des actes qui peuvent être en apparence tout à fait insignifiants, mais ceci est vraiment en fait capital et vraiment d'importance. Et donc quand on parle, lorsque nous disons que le dharma a pénétré ou est arrivé dans un lieu comme en Europe, par exemple dans les pays européens, mais c'est aussi le cas pour les États-Unis, pour l'Amérique latine également, lorsque le dharma est arrivé, mais en fait c'est ce qui donne l'opportunité ou ce qui participe à ce qu'il y ait un changement véritable qui puisse s'opérer. Et lorsque les gens commencent à apprendre le dharma, il y a vraiment un changement qui est évident. Il y a davantage de tolérance, il y a une meilleure conduite. Les gens sont plus compréhensifs les uns envers les autres. Et tout ceci est en fait quelque chose d'importance pour l'ensemble des êtres humains. So now, Lama Tenzin, he followed the Dhammapada's instruction. I think he got the same, what we got. Same, he committed with this, and now almost half century. I mean, almost few years, then half century. It's very historical, you know. If say a few years like this, but half century. It's quite long, so half century he engaged with the day by day, you know, day by day. This historically is right now we don't really see so much, but basic historically very important for the France, you know, like we see some people are contribute, and then historically very important. But I think if France, year by year, France and Europe also, I'm saying France, we are here, that's why. Year by year, many people understanding Dharma, even Buddhist or not Buddhist, value of Dharma, then this history is very important. Somebody dedicate almost half century, and then special without any defect. This is my point, is very important. You know, all the human beings, even very other beings, they did a lot of contribute, but always historically some defect always comes, you know, personal defect and many things, you know. I think you can see, like, I mean, people who are some are very beginning also. So you can see, time being, Lama Tenzin give teaching here, doing all these things, there is no defect, you know. Not saying his character is very strong, no, this is not defect, this quality, you know. But there is no scandal, no critical, nothing, no defect. So it's a really perfect example for bringing into the Dharma in a country, you know. So this is, I find, very rare. Many people did good things of similar, but always there's one critical, you know, like, so they say, did this wrong, that wrong, or it's too wrong, but always there is a, not everybody, but many people have this critical there. But here, since I think almost, I say half century, maybe few years missing, but there's no defect, you know. It's perfect, he guide the people, give proper teaching, not exaggerated. And these things are also very important, not kind of manipulate, very truth. This he did, very proper. This is the one of the most important, you know. Lama Tenzin, en fait, a suivi lui aussi les instructions du 16e Karmapa. Il a eu, je pense, très certainement les mêmes instructions que nous avons reçues. Et il les a suivies pendant près d'un demi-siècle. Un demi-siècle, c'est quelque chose de tout à fait historique, si on y réfléchit. Il ne s'agit pas, en fait, simplement de quelques années. Il s'agit d'un demi-siècle au cours duquel il s'est engagé, jour après jour, à suivre ses instructions. Et ça, c'est quelque chose historiquement
d'important pour la France, en fait. Bien sûr, je parle de la France parce qu'on est ici, mais c'est aussi pour l'Europe, parce que sa contribution, on peut pas vraiment, on va peut-être pas à présent le voir de la sorte, mais cette contribution, en fait, elle est immense pour la France et pour l'Europe. Parce que année après année, par son engagement, il a fait en sorte que de nombreuses personnes comprennent le Dharma, comprennent la valeur du Dharma. Ici, je ne parle même pas de personnes forcément bouddhistes, on peut être tout à fait bouddhiste ou non bouddhiste pour cela, mais il a dédié près d'un demi-siècle de sa vie à cela. Et ceci, non seulement cela, mais ceci, il l'a fait sans défaut, sans aucun défaut. C'est-à-dire que nous pouvons voir qu'il y a des personnes qui vont apporter une grande contribution pour une cause ou pour quelque chose, mais il y a toujours un moment donné où il y a des défauts dans leur contribution, dans leur façon d'apporter les choses. Il va y avoir soit un défaut personnel ou autre qui va forcément se révéler et venir un peu entacher cela. Ici, ce que l'on peut voir avec Lama Tenzang, en fait, c'est qu'il a passé sa vie à transmettre l'enseignement du Dharma, et ce, sans aucun défaut. Alors oui, on pourrait dire qu'il avait un sacré caractère, mais ça, c'est pas un défaut, c'est une qualité. Et en fait, son activité n'est entachée d'aucun scandale, n'est entachée d'aucune erreur. Son activité, en fait, il était l'exemple parfait d'une personne qui a pu apporter le Dharma en ce lieu. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bonnes choses, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a toujours des critiques qui viennent ou qui sont émises à l'encontre de ces personnes. On va toujours avoir une personne qui va retrouver à redire. Ici, pendant près d'un demi-siècle, Lama Tenzang, en fait, a été parfait, sans aucun défaut. Il a été parfait dans sa façon de guider les personnes. Il a été parfait dans sa façon d'enseigner. Ses enseignements étaient des enseignements appropriés, sans exagération, sans manipulation. Ce qu'il a donné, c'était simplement la vérité. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. Then also, it started with here. Actually, many, some of you know, but many people don't, maybe don't know also. But it's nothing, just forest, you know. So, first, I mean, just. Like first, when I come to visit Lama Tenzang, we cannot take a shower and we cannot wash the dishes because there's no water. So this is not 1 week, 2 weeks, it's many years like this. Each we get one bowl and plate and spoon, then you eat, have to rub and keep. You cannot wash because there's no water, you know. So there is no heating also, only small fire heating, but. No comfort, nothing, you know, like this. So started with this, you know, not like comes here, comfortable, talk, not like this. Started very hard work, you know. Just one, this barn is where the place keep half cow, half human, like traditional older farmhouse. So from started with this, then people, only few people comes, or these people, he give it. Detailed teachings, you know, like took care by one, then slowly now you see like, so slowly you see all the in the forest and change to the like placed for the practice, facility for the retreat, you know, all the facility for the nyungni, everything is done, you know. So this is remains centuries actually, so. So it's because like a little bit longer, later, longer time, it became very important historical area, you know. So these things all, not only teaching, not only take care, but it's just physically, you know, it Moksha Dong Kama Mijulin itself, very 0 to 100% went, you know. Il y en a certains peut-être parmi vous qui étiez là, mais au début ici, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. C'était simplement de la forêt partout. Je me souviens au début, quand je venais rendre visite à Lama Tenzang, il n'y avait pas non plus de douche. Il n'y avait même pas d'eau pour laver la vaisselle. Donc on avait
juste on passait un chiffon et puis sur la cuillère et sur le bol et puis on les rangeait comme ça. Et ça, ça n'a pas duré juste quelques semaines, ça a duré bien plus que ça. Et il n'y avait aucun confort, rien. Donc bien sûr, aujourd'hui, on arrive ici, il y a quelque chose de confortable, mais il a fallu tout le dur labeur de la Matenzang pour que ceci soit possible. Au début, il y avait cette grange qui était là, un peu de façon traditionnelle, où la moitié de la grange était réservée pour des animaux, la moitié pour les êtres humains. C'est un peu la même chose. Et puis, il y a des gens qui sont venus au fur et à mesure. Et la Matenzang qui a donné des enseignements du Dharma, qui a pris soin, un par un, d'expliquer aux gens, de leur détailler les choses, de leur expliquer l'enseignement, le Dharma. Et puis, eh bien, progressivement, cette forêt est devenue un lieu de pratique, un lieu où l'on puisse faire des retraites, un lieu où l'on puisse venir faire des nyungne. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui va demeurer pendant des siècles. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça que je dis quand je parle de quelque chose d'historique. C'est que ce n'est pas quelque chose que l'on voit maintenant, mais en fait, ce qui a été mis en œuvre ici, du point de vue du Dharma, est quelque chose qui est là, en fait, qui est passé de 0 à 100%. Il n'y avait pas de Dharma. Donc physiquement, il n'y avait rien qui était présent. Et aujourd'hui, il y a toutes ces possibilités. Donc ce n'est même pas simplement en termes d'enseignement, mais de toutes les possibilités que la Matenzang a pu créer, a ancré ici. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait historique. And when you're starting with the Bodhisattva teachings, you know, there are six parameters. If you look, he living with the six parameters: generosity, because he's teaching, hardship with the body, working in the, because he did all the stones that take out, and this mountain became like a surface, you know. There is no tractor beginning, nothing, just like this. So very important generosity and ethical, because he never cheat people, never, you know, like manipulate, very ethical. And then a lot of patience, because if no patience, you cannot go. You know, like then meditate, he's most meditate practitioner, lama exist in a European country. So this kind of all the Jinpa, Tsuchim, Zopa, something, you know, all this, he has a living with the, like, read six parameter, you know. This is one of the example, because we, sometimes our life has not so easy, many difficult, many problem like this, but somebody has example, yes, Mao, this is the, like, example of the Lama. Our Lama is went like this, the result is like this, myself practice, of course, I cannot do like this, but I try to go this direction, you know. So kind of, then you are understanding meaning of the six parameter, example of somebody using this, and then this example, we try to follow, you know, try to follow much with our capacity, you know. Lorsque l'on étudie l'enseignement des bodhisattvas et les questions des six paramitas, mais en fait, ce que l'on peut voir, c'était que la Matenzang était l'incarnation des six paramitas. Si l'on regarde la première, la paramita de la générosité, en fait, il a passé son temps à enseigner, il a passé son temps aussi à dédier son corps à tout un tas d'épreuves, parce qu'en fait, ici, il a pris une par une les pierres, en fait, qui constituent aujourd'hui le sol bien plat. En fait, à la base, c'était pas ça, il n'y avait pas de tracteur, il n'avait rien, c'est à la main qu'il les a retirées, qu'il les a placées, etc. Donc, ceci est une forme de générosité incroyable, la plus importante des générosités. Ensuite, il y a l'aspect de la conduite. La Matenzang n'a jamais trompé ni manipulé personne. Il y a également la paramita de la patience, parce que sans patience, il est bien certain qu'il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a été fait, il n'aurait pas pu aller aussi loin. La paramita, par exemple, de la méditation, de l'absorption méditative, la Matenzang était un des pratiquants les plus éminents qui existent en Europe.
En fait, ce que l'on peut voir, c'est que toutes ces paramitas de la générosité, jhimpa, tsurchi, mzepa, samten, etc., en fait, il avait lui-même, il vivait ces six paramitas. Il était l'exemple vivant de ces six paramitas. Et parfois, en fait, lorsque l'on rencontre des difficultés dans notre vie, eh bien, c'est assez facile de se laisser emporter. Eh bien, nous avons cette référence en fait que nous pouvons rappeler à notre esprit, la référence en fait de notre lama qui lui a traversé tout cela et qui a pu avoir un résultat en traversant tout cela. Et il s'agit d'une source d'inspiration pour emprunter en fait une direction similaire. Et cet exemple, en fait, bien, il s'agit d'essayer de le suivre au mieux de nos capacités. So, like just we try to make like one historical biography. You know? One Tibetan Lama Tenzin came in France. You know, he spent here almost half century. And he did good for France, good for Kamakaju lineage, good for all the people follow him, students, you know. There is three, I see the three important. Good for France, that means I think now population friends don't know, but historically, slowly you will know because how important Dhamma. Now, I think it's only minority people knows Buddhism is important. But later, due to many reasons, Buddhism is quite important for the human beings. What Kamava says, this is in France, good for the France actually, not only Buddhism, you know, this kind of bring one peace kind of condition into the land. And then now the second one is he give all the Kamakaju teachings very detailed. How to do meditate, how to do the small sadhanas, how to do bigger rituals. Then until the end of 3-year retreat, he introduced all these topics all the time, you know. So this is all linked with the Kamakaju teachings. The transmissions are just like this transmission connected with the followers. So this is one part. Another part is very important. This is come up as activity bring to the sentient beings, you know, because this is one of the all what he did is linked with the come up as activity. So this come up as activity, like Tenzin Lama Nanjo, we all reciting these terms are there. So this link with the sentient beings. So another third is then single person could have this quality practice. Now. You got practice, you got instruction, how to do practice, you got blessing, you got all the method of the practice according to the individual. So now individual, if you use this, then there's all this, you got a kind of seeds in yourself. So now how you go depend of yourself also, you know. There's also a lot of people doing practice that is beneficial. So these are three things. One is a basic historical coming Buddhism in France, you know. Then another is like a Kamakaju lineage, Kamapas activity connected with all the human beings in the European country. And the third is he took care of one by one. So these are three important, that's the reason we were saying before, without contradiction, without a kind of, mistake, without a kind of defect, everything was smoothly, went properly, and until beginning to until now, you know. Si on essaye de faire la biographie de Lama Tenzin, on pourrait le dire de façon simple, de dire c'était un lama qui est venu du Tibet, qui est venu donc en France, et qui a passé près d'un demi-siècle à faire le bien pour la France et sa population,
pour la lignée karma, la lignée Kagyu et pour ses étudiants. Examinons ces trois choses en fait. Lorsque je parle de la France, de la population française, eh bien, bien sûr, les Français, de manière large, ils vont pas, ne savent pas ou ne vont pas comprendre la portée historique de cela. Pas pour l'instant, parce qu'en fait, il y a la population bouddhiste en France n'est pas très importante, mais plus tard, ils le sauront. C'est le Karmapa qui l'avait dit. Plus tard, en fait, ils le sauront. Et c'est pas, il n'a pas simplement en fait accompli le bien pour des personnes qui étaient bouddhistes, mais en fait, le bien accompli est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste, parce qu'en fait, il a amené en ce lieu, en ce pays, en fait, il a amené une condition pour du bienfait des êtres. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, par rapport à la lignée Karma Kagyu, en fait, il a transmis tous les enseignements Karma Kagyu depuis la façon, ou expliquer la façon de méditer, d'expliquer des sadhanas qui sont peut-être des sadhanas très simples, jusqu'à expliquer des sadhanas ou des pratiques qui sont beaucoup plus complexes et à établir des retraites de 3 ans. Et en fait, ceci, tout ceci est relié à l'enseignement Karma Kagyu. Et donc il a relié par ce biais-là, par le biais de cette transmission en fait des pratiquants à l'activité du Karmapa. Et donc il a amené les pratiquants à être en contact avec le Karmapa. On a pratiqué, on pratique encore le Guru Yoga de 4 sessions. Et bien en fait ça relie en fait tout le monde à cette activité du Karmapa. Et puis il y a ensuite le troisième point qui est celui des étudiants, parce que en fait, il a, de façon individuelle, vous avez reçu les instructions de lui, vous avez reçu sa bénédiction, vous avez reçu les méthodes de pratique. Et donc individuellement, il vous appartient à présent d'en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il a mis en vous cette graine, et maintenant ça dépend de vous, ce que vous souhaitez en faire et comment vous souhaitez la développer. Donc quand je dis qu'il y a ces trois aspects qui sont quelque chose de vraiment important, c'est vraiment cet aspect historique en fait, d'avoir participé à amener le bouddhisme en France, d'une part. Ensuite, d'avoir relié en fait l'activité du Karmapa et de la lignée Karma Kagyu à des personnes ici, en France et en Europe. Et enfin, d'avoir pris soin un par un de tout le monde. Et ceci, comme je le disais au début, sans qu'il y ait aucune contradiction, sans qu'il n'y ait aucune erreur, sans qu'il n'y ait aucun défaut. Tout s'est développé de façon très douce, très progressive et de façon tout à fait appropriée. So, very, very good way started with here, and now his end of his life passed away, you know. Whatever, what all his life is very kind of useful, beneficial, positive, accomplish it, you know, this happening. And also, he lived quite long, you know, long period. So this is also like very important, human beings living long and during the long helping other beings. So it's everything is totally positive, what I feel, you know. Et donc il a commencé ici et tout s'est développé de manière excellente, comme je le disais, et ce jusqu'à la fin de sa vie. Il a fini sa vie ici. Et toute sa vie, il l'a consacrée à quelque chose de bénéfique, à quelque chose d'utile, à quelque chose d'accompli. En fait, c'est toute sa vie qu'il a menée comme ça, et en plus, il a vécu longtemps. C'est-à-dire que les êtres qui vivent longtemps et qui consacrent leur vie à être utiles aux autres, eh bien c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc c'est pour ça que je dis que du début à la fin de sa vie, tout a été simplement et uniquement bénéfique. C'est en tout cas ce que je pense et ce que je sens. So now another part talking about individual, you know, I will talk about individual followers, practitioners, you know. You receive teaching, you got a lot of, advice in the teaching, and then method of practice, you know, there is
teaching is it like linked with the Dharma, advised what have to do, what should do, what should not do. I think he must give a lot of like direction. Then practice, how to do practice. So you must have the, if you try to look back, you have these qualities you have received. So now there is one is during the group practice, one is focusing with the daily life, you know. Yeah, what do you mean? Like during the daily life, all the how, all kind of conditions, you know. Maintenant, je souhaite aborder un autre aspect qui est celui, en fait, de parler aux pratiquants, à ceux qui l'ont suivi, à ceux qui étaient donc ces étudiants. Vous avez reçu des enseignements, vous avez reçu également des conseils de Lama Tenzang et vous avez reçu les méthodes de la pratique. Les enseignements qu'il a transmis, ce sont ceux qui sont associés au Dharma. Les conseils qu'il vous a transmis, eh bien, ce sont des conseils sur ce qu'il y a à faire, ce qu'il s'agit de faire et ce qu'il s'agit de ne pas faire. Et les méthodes, eh bien, sont celles de la pratique. Et donc, vous avez reçu toutes ces qualités de Lama Tenzang. Donc, il y a l'aspect de la pratique, mais il y a aussi le fait de se concentrer sur ce qui se passe au cours de nos occupations quotidiennes. So now, practice is a, I don't know individually, but I think each has one link with practice. Not that is common, but individually you're doing one practice, link with practice, you know. So for example, some do chedase, some do tara, some do mundu, whatever, you have individual practice. So this is a, we are following the method of the practice, you know. But now, the one question came, how we deal with the continue with the Lama. I think this is the main topic today ask. So this is actually we need a very strong confidence, you know, this we call it. And then also we need really understanding of the quality of the Lama. This we call Mugu. The first is Tepa, and this is Mugu. Mugu means you really see the, how you say, convince of the quality. Tepa means due to this, you have confidence. Tepa Mugu. You have to stay with this, you know. Stay with this. This is like a main can connect. That's the reason I'm saying before, like during the almost 50 years, now 40, maybe 48 or 40, some started here. During this time, like when you see Mugu, so somebody who lived here, did a perfectly way of living and link with the practice. So this is the what we're looking for, you know, individually. Sometimes not so easy to do this, but one example, then you have one vision, you know. Due to this, we convinced with this, we wish to go this way, and then you can see all the problems cannot go this way, so we have to try to clarify one by one, emotionally, and then refer with the teaching, just to try to not block, try to go one by one. So try to one by one, then there is a example I give, generosity, ethic, patience, you know, and diligence, effort. These things are then remind. Lack of this, I cannot go. If I apply a little bit, I can go, you know, like this. So through this, you can see the example of your Lama teacher and how he went important. Individually, myself, I'm a follower. So I try to go much as possible like example of my Lama, you know. Je ne sais pas individuellement quelle est la pratique que vous avez reçue ou que vous effectuez. Je sais que chacun a sa pratique.
Peut-être certains pratiquent Chenrezig, d'autres Tara, d'autres les préliminaires, etc. Donc chacun, en fait, individuellement, a sa pratique et suit les méthodes de la pratique. Maintenant, comment continuer lorsque son lama, en fait, part? C'est peut-être le point principal de notre échange aujourd'hui. En fait, tout d'abord, ce qu'il nous faut, c'est une forte confiance des pas en tibétain. Et ensuite, sur cette base-là, eh bien, il faut comprendre les qualités du lama, être convaincu par ses qualités. C'est ce que l'on appelle megu en tibétain. Et ceci, donc, c'est la conviction dans les qualités qui fait que l'on va aspirer à aller dans une même direction. Et c'est ce qui nous garde en fait en lien, ces deux qualités nous gardent en lien avec le lama. Pendant près de 50 ans, peut-être c'était 48 ans, mais peu importe, eh bien, on peut voir comment considérer ou développer cet aspect de megu, nous pouvons voir que sa façon de vivre était parfaite et elle était parfaite aussi en lien avec la pratique du dharma. Et ça, c'est ce que l'on recherche en fait. Donc son exemple permet de nous donner une vision, de nous donner une direction. Et si l'on est, il s'agit donc d'être convaincu de cela, et sur la base de cette conviction, d'avoir ce souhait d'emprunter une même direction. Et si nous envisageons les choses ainsi, bien sûr, cela ne va pas nous empêcher de rencontrer des problèmes ou des difficultés, mais alors, bien, nous allons simplement essayer de les clarifier l'un après l'autre. C'est-à-dire un par un, les problèmes que l'on va rencontrer, qu'il s'agisse de difficultés émotionnelles, qu'il s'agisse de... Peu importe le problème, eh bien, il s'agit simplement de ne pas rester bloqué par ce problème et un par un, d'essayer de les dépasser. Et c'est là qu'interviennent les six paramitas dont je parlais, de la générosité, de la conduite, de la patience, l'effort enthousiaste, etc., la diligence. C'est-à-dire qu'il s'agit de voir que s'il n'y a pas ces qualités-là, eh bien, c'est pas possible de continuer. Mais si l'on essaye de faire un petit effort et de se relier à ces qualités, de se relier à ces paramitas, et on va voir qu'un par un, les choses, nous allons pouvoir les dépasser. Et Lama Tenzong était un exemple de cela. Et donc, ce que l'on peut faire, eh bien, c'est simplement d'essayer le plus que nous pouvons, eh bien, d'essayer de suivre, de garder à l'esprit, tiens, je vais suivre l'exemple de mon lama. So that's the reason I'm also beginning. Telling how Lama Tenzong did important things, living himself, what doing to the others, doing to the for the lineage and like basic human beings. So when you a little bit, you know, when you talk this, then you refer all lifetime here. So due to this, then it's important also one important is he never did defect. You know, almost like perfect. Perfect means everything is proper. When you see, not defect. So many years, so many hardships, so many. Then you will see, oh, this is a really important person. You know. Then you study a little bit Dharma. Then you see, oh, actually, his way of living is exactly according with the Dharma. You know, Dharma. So if you see this. Then there is mugu will develop, you know, mugu. So due to this, then you have a possibility to receive the blessing, chilab, you know. C'est la raison pour laquelle, au début de mon allocution, je vous expliquer en fait ce que Lama Tenzong a fait et à quel point c'était important. Parce que nous pouvons voir en fait à quel point c'est important, sa façon de vivre a été importante pour la lignée, mais a été importante pour tant de personnes. Et en fait, lorsque l'on peut ainsi se référer à l'importance de ce qu'il a fait, de ce qu'il était, eh bien, et en plus de le garder, de bien garder à l'esprit qu'il l'a fait sans défaut, c'est-à-dire que c'était pratiquement la perfection. Quand je parle de perfection, ça veut dire que tout a été fait de manière appropriée. Il a traversé tellement d'épreuves, il a
au cours de toutes ces années, il a été tellement, il a traversé tellement d'épreuves, eh bien que tous regarder ceci, considérer ceci, nous permet de voir l'importance de la personne qu'il était. Si en plus de cela, nous étudions un peu le dharma, alors nous allons comprendre que sa façon de vivre, eh bien, était exactement en accord avec le dharma. Et c'est de là que Megu peut se développer. Et s'il y a ce Megu, eh bien à ce moment-là, il y a la possibilité de recevoir la bénédiction, Chinlap. So, now, due to the Chinlap, then individual potential possibility to reveal with your application of the practice, you know. Et grâce à Chinlap, grâce à la bénédiction, eh bien, nous avons alors la possibilité de révéler ce potentiel, le potentiel qui est le nôtre, notre potentiel individuel, c'est-à-dire que par l'application de la pratique, grâce à la bénédiction, nous avons la possibilité d'actualiser ou de révéler ce potentiel. So we do the, of course, we do the practice yidam. Or whatever different type of yoga practice, but then there is a specific one technique is due to the you have a we using tepa mugu chinlap due to this then gives a potential accomplishment of the practice, you know. So for this now, in order to do this, when you look the sentence we see, you always you can remain. In order to do this, try to remain like a blessing or mind of Lama can remain with inseparable with yourself. You know, this we call Lama Ransin Yeme. I don't know how to translate. Lama, my Lama's wisdom, my mind, inseparable. It's not thinking about technical, just very kind of naturally, you know. Not saying Lama's mind this, my mind is inseparable, not like this. The quality of the Lama comes to in my mind, then my mind remain with this quality, then I will use practice. So this makes, then practice can reveal, you know. On peut faire des pratiques, effectuer des pratiques de Yidam ou peut-être d'autres pratiques, peu importe. Et il y a en fait, c'est comme une forme de technique spécifique. Et en fait, c'est rien d'autre que du fait de Depa, de la confiance, du fait de Megu, de cette aspiration empreinte de respect, du fait de Chinlap, de la bénédiction. Eh bien, ceci nous permet ou nous offre la possibilité d'actualiser notre pratique. Il y a une phrase en fait en tibétain où on dit qu'à ce moment-là, eh bien, Lama Rangsem Yerme. C'est-à-dire que ceci fait que l'on est indissociable de le Lama est indissociable de notre propre esprit. Et donc ceci, en fait, mais on essaye, c'est ce qui va nous permettre de demeurer dans la bénédiction ou dans l'esprit du lama. La sagesse ou l'esprit du lama et notre propre esprit, en fait, sont tout à fait indissociables. Mais ceci ne peut s'actualiser sur la base d'une technique. C'est quelque chose qui va se déployer ou qui va se produire de façon naturelle. C'est-à-dire que naturellement, les qualités du lama vont imprégner mon esprit. Et mon esprit va demeurer dans cette qualité et la pratique va permettre de l'actualiser ou de le révéler. So now reveal means how reveal. Start with your state of mind. You know, doing this, continue, your compassion is more sincere, that we call Ningjie.
And the devotion to the Buddha, Dhamma, Sangha, Lama is more comes to not kind of fantasy, reality. And then all the your defect recognized, and not following the following the defect. You know, defect come from your state of mind, but when you're not following, then there's also quality. You know? So this kind of very daily basis, state of mind, blessing, receive blessing means like this. Change your state of mind, kind of comes to positive. Now this positive basic, you became more better, you know, less obscuration by the negatives. Negative means like usual, you know, like the normal tendency, normal kind of a perception of the state of mind. These things are like all the emotions like anger, jealousy, pride, this kind of nyomopitipa. Then shijitipa means what you know, this kind of all problems are doesn't draw your mind. You can remain proper. So due to this, when you practice, then comes to realistic, you know. Quand je parle de révéler la pratique, bien la question qu'on peut se poser, c'est comment faire cela. Bien, ceci commence avec commence au cœur même de notre esprit, dans notre au niveau de l'état de notre esprit. Il s'agit de le faire et de continuer de le faire. Et c'est ainsi que une compassion va s'élever de manière sincère. Il y aura davantage de dévotion pour le Bouddha, le Dharma, le Sangha. Et cette dévotion, en fait, n'est pas quelque chose d'imaginé ou d'imaginaire, mais cette dévotion est alors réalité. Et grâce à cela, eh bien, nous reconnaissons nos défauts. Nos défauts se dévoilent, nous pouvons les voir, les reconnaître. Et alors, bien simplement, nous ne les suivons plus. Et si nous ne suivons plus ces défauts, comme ces défauts sont aussi des états de l'esprit, eh bien, ils ont aussi une qualité qui peut se révéler. Et ceci, il s'agit de le faire sur une base quotidienne. Et c'est comme ça, en fait, que cette bénédiction se reçoit. La bénédiction, c'est justement ça, c'est le fait qu'un changement puisse s'opérer sur l'état de notre esprit pour qu'il emprunte une direction davantage bénéfique. Alors nous devenons plus bénéfiques, il y a quelque chose de plus bénéfique une direction plus bénéfique qui se prend, il y a moins d'obscurcissement par les actions néfastes. Quand je parle d'actions néfastes ou de ce qui est néfaste, cela fait référence aux tendances habituelles, à nos façons d'envisager les choses habituelles, nos perceptions habituelles, à tout le mouvement émotionnel également, que ce soit la colère, la jalousie, l'orgueil, tout ce que l'on appelle le voile des obscurcissements, nyomopejepa, mais également le voile du connaissable, shijitipa, qui nous fait envisager les choses d'une certaine manière. Et bien en fait, nous ne sommes pas pris par ces différents voiles et nous demeurons simplement en l'esprit. Et c'est ça qui... Et c'est ce qui va nous permettre d'aller vers quelque chose de plus réaliste. So now, individual, how to maintain this, you know, how to keep maintaining. There is a few things important. One is actually, individually, what you do in practice is continuous, very important. If somebody does a very simple practice, or the simple practice, a little bit elaborated, you know, way to do practice. Actually, if you keep continue practice, then we talk about the reveal of the quality of the practice, then it's slowly can reveal. Immediately, there's no kind of a fantasy or magical, you know. Comment maintenir cela de manière individuelle? Il y a plusieurs choses importantes pour cela. Tout d'abord, la continuité de sa pratique.
est une chose d'importante. Peu importe la pratique que l'on effectue, qu'il s'agisse d'une pratique simple ou d'une pratique plus élaborée, il est essentiel en fait de garder une continuité de pratique, parce que c'est cela qui va nous permettre de révéler les qualités issues de la pratique. Et ceci va s'effectuer de manière progressive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un changement du jour au lendemain ou à ce que ce soit quelque chose d'immédiat. Ça ne fonctionne pas de manière fantaisiste ou magique. Like, this is like Karmapa give advice. The Vajrayana practice, don't let it turn to the superstition. Last time he talked, everywhere he explained this, actually meaning like this. If too much grab everything, awaken so much fantasy, then it goes to more, there is a result, relative result. But don't go this way and living continual practice, Then it makes we call Chö Lam Tho, Chö Lam Tho means what we apply in practice goes to proper direction of the path. C'est d'ailleurs un des conseils que le Karmapa nous a donné cet été. Il a répété à plusieurs reprises lors de sa tournée qu'il ne fallait pas laisser la pratique du Vajrayana prendre une tournure superstitieuse. Il a répété à plusieurs reprises, et le sens de cela, c'est qu'il ne s'agit pas d'essayer de prendre un peu ici ou là des choses et puis d'en faire quelque chose qui va donner une forme d'idée fantaisiste de ce qu'est la pratique. Bien sûr, la pratique du Vajrayana apportera forcément un résultat relatif si nous l'appliquons de la sorte, mais en fait ce n'est pas dans cette direction que le Karmapa nous enjoint d'aller, mais au contraire de faire que, en tibétain nous disons que « Chö Lam Dujo », c'est-à-dire que notre pratique, qu'elle emprunte le chemin du Dharma, c'est-à-dire qu'elle prenne la direction appropriée du Dharma. So another is also important is I talk about the activity of the Karmapa. So Lama Thongsan is following this. Now Lama Thongsan created, place where they practice, where the people come, receiving teachings are already there. Also continue Lamas will do. But then this also we did same with Karmapa passing away. So we keep in mind support of the activity of the Lama, means support activity Lama is this benefit for the other beings, like it's exactly like here, like teachings courses, meditation courses, practice courses. So these things all helping to the other beings, invite other beings and let them give facility, then participating and the support. This is very important, In many prayer ritual in the prayer, they have these sentences. Une autre chose d'important est que est celle de l'activité du Karmapa. Et Lama Thongsan en fait n'a fait que ça, que suivre l'activité du Karmapa. En créant un lieu ici, par exemple, comme ici, c'est ce qu'il a fait. Il a fait simplement, il a soutenu l'activité du Karmapa. Il a permis à ce que des personnes puissent venir, puissent recevoir l'enseignement du Dharma. Et donc c'est ce que nous avons aussi tous fait, notamment à la mort du 16e Karmapa. C'est-à-dire que nous avons gardé à l'esprit le fait de soutenir son activité, soutenir l'activité du Lama, et parce que c'est ça qui apporte un bienfait pour les autres. Et donc soutenir son activité, c'est faire en sorte que de la méditation soit expliquée, soit accomplie ici, que des enseignements soient donnés, qu'il y ait des stages qui soient proposés, parce que cela permet d'inviter les personnes qui le souhaitent à se joindre à cela. Nous fournissons ainsi les facilités, nous fournissons les moyens pour que les personnes puissent se joindre à cela, puissent participer. C'est ainsi qu'on participe de l'activité du Karmapa ou qu'on soutient son activité. Et c'est même mentionné dans différents rituels et dans différentes pratiques, en fait. So now there's a danger to be misunderstood. Support Lama, activity of Karmapa or my Lama. This not saying they will come up and need a big famous and a lot of things, or my Lama need this, not like this, actually saying their bodhicitta wishing helping all the sentient beings,
And they have all the bodhisattvas, they have this, you know. So now I try to do my potential individually, my potential, in order to what they created, the teachings and the activity, and link with the newcomers, new sentient beings who come to the looking for the Buddhist path, and try to support them to can connect with the Dharma. And it's good for them, you know, good for them. So therefore, this is we call support of the Karmapa, you know. The Bodhisattva's activity, I'm participate to what they, like here, created many things, you know, teachings and practice and system. This quality can introduce to the newcomers, new people who are looking for the spiritual, you know. This is the, we call support and activity, you know. Alors, il y a le danger de mal comprendre cette notion de soutien à l'activité du Karmapa ou de l'activité du Lama. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de le comprendre comme si le Karmapa ou notre Lama avait besoin d'être célèbre, d'être mis en avant, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Ici, soutenir leur activité est relié ou est connecté à leur bodhicitta. Parce qu'en fait, étant des bodhisattvas, leur souhait le plus profond est celui d'aider tous les êtres sensibles. Et donc, il s'agit de voir comment notre propre potentiel individuel, eh bien, comment nous pouvons le mettre au service de ce souhait de ces bodhisattvas. Et notamment, en fait, de pouvoir fournir des lieux qui peuvent accueillir des nouveaux arrivants, qui souhaitent découvrir l'enseignement, qui veulent rencontrer ou d'être des points de contact avec l'enseignement du Bouddha. Et donc ici, c'est ce que ce lieu en fait est, et c'est cela que signifie soutenir l'activité de Karmapa, parce que c'est bon pour eux, ça permet en fait d'être un point d'accès pour se relier au Dharma. Donc c'est ce qui a été créé ici même avec le fait qu'il y a des pratiques qui sont effectuées, les gens peuvent recevoir des enseignements, etc. Et donc ceci, en fait, peut être introduit à des nouveaux arrivants. C'est-à-dire que les nouveaux arrivants ont un point d'accès avec le Dharma. Et ça, c'est quelque chose, c'est ce que signifie soutenir l'activité du Karmapa. So now, there is one important topic during Karmapa's teaching. You don't block by belong to yourself. Belonging in something. Sense of belonging. Sense of belonging. So this is very important, because this cannot your activity cannot follow in the equanimity, you know. So this we have to reflect. That's what I'm saying before, like. We are all in a positive mind, we are all too, but due to the emotion, sometimes kind of caught by this, and then you are blocked by this. So due to this, then rise the disharmony, and the vision, favorable or unfavorable, and then discriminating individual. So then all the positive things I get diluted, you know. Un autre sujet que le Karmapa a mentionné et qui est important également, c'est le fait de ne pas être bloqué par une forme de sentiment d'appartenance. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que si l'on est bloqué par ce sentiment d'appartenance, eh bien, à ce moment-là, l'activité ne peut pas être équanime. Les êtres, de manière générale, sont bons, ont quelque chose de bon en eux, mais du fait des émotions, eh bien, ils sont influencés par ces émotions, ils sont pris par ces émotions. C'est ce qui est l'origine ou la source de toute la mésentente ou de la disharmonie. Et c'est ce qui fait aussi que notre vision des choses va être soit favorable, soit défavorable. C'est-à-dire que nous commençons à différencier les choses.
Et c'est ce qui fait que tout ce qui est bénéfique, eh bien, se dilue peu à peu. Now, question to how we do, you know, how would you do? There's the problem. But this, we cannot say immediately there is a kind of a remedy, you know. There is a remedy, but it doesn't work so much. But you keep in mind all these topics, and when comes the situation, even you think I'm right, other wrong, but the situation, you try to really to see what Karmapa says this, what is exactly linked with my situation. If you try to look a little bit, then slowly you get, you know. But when you look, always there is a link with the attachment, link with the pride, link with the kind of jealousy, this kind of link, you know. But not saying negative, everything negative, but due to this, my mind go turn into the negative, you know. So if you, this we can think, we can reflect, we can do. So when you do this, and the slowly, then you see, not 100% you cannot see, but a certain percentage you can see, oh, this is also my projection, my due to this, I have this situation, you know, then that slowly kind of changing your perceptions, you know. So this is the helpful. Alors comment faire? C'est bien là la question, c'est bien là la difficulté. En fait, il n'y a pas de remède immédiat. Oui, il peut y avoir un remède, mais en vrai, ça ne fonctionne pas véritablement, ça ne fonctionne pas vraiment. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de garder à l'esprit ceci, ce qui vient d'être dit, et puis de regarder les situations que nous rencontrons. Peut-être une situation où nous avons raison, ou au contraire, une situation où nous avons tort. Et essayer, de, dans cette situation-là, de se remémorer les paroles du Karmapa et de voir, de la faire rencontrer la situation qui est la nôtre, l'expérience du moment. Et c'est comme ça que nous allons comprendre, nous allons mieux comprendre et mieux voir comment, finalement, du fait peut-être de mon attachement, de ma jalousie, de mon orgueil, bien qu'il y a des choses qui vont être influencées par cela. Alors je ne dis pas que tout est néfaste ou que tout est mauvais, ce n'est pas ça, mais simplement de voir comment, à cause de cela, à cause de ce qui est présent dans l'esprit, eh bien l'esprit va emprunter une direction néfaste. Donc il s'agit d'essayer d'y réfléchir, de regarder cela, d'essayer de voir ce qui est en jeu dans les situations. Et je ne dis pas qu'en fait nous allons pouvoir tout voir à 100% du temps, mais au moins il y aura un pourcentage qui va commencer à être vu à l'intérieur. Et on va voir alors que peut-être, tiens, je perçois les choses de telle manière, parce qu'il y a une forme de projection de ma part aussi sur la situation. Et en étant lucide quant à cela, eh bien, un changement peut s'opérer au niveau de notre perception des choses. Et ça, c'est quelque chose qui sera véritablement utile et aidant. So this is when you do the prayers, we call chur lam to do a change lap to so. You know, like many prayers we have this time we're using, but asking blessing from the Lama, path of my practice without obstacle go smoothly, you know. So now, why cannot go smooth? Like this kind of situation, then make mind contradicting, and then the judgment, discriminating, these things arise. So Karmapa says, not caught by the something belonging you, you know, but this is another sentence, but if you see, then you see what does mean exactly, caught by your own ideas, you know. Then, et c'est exactement ce que l'on souhaite quand on quand nous effectuons cette prière qui dit Chö Lam Du Jowa Chinji Lam Du Seul. Nous requérons la bénédiction de notre lama afin que notre chemin, afin que notre pratique, notre chemin de pratique ne rencontre pas d'obstacles et puisse progresser de manière
apaisée, de manière sans obstacle aucun. Pourquoi est-ce que notre chemin n'est pas fluide, n'est pas facile? Eh bien, c'est parce que dans l'esprit, il y a beaucoup de contradictions. Et ce sentiment d'appartenance est une de ces contradictions. Il s'agit donc de ne pas être pris ou sous l'influence de ce sentiment d'appartenance, de ne pas être pris par cette idée. Then there is also another term. We talk about all this, how to relate to the Lama, you know, prayer. Chulam to Dua Chinja Lotus. Now there is also called Trupa Yeshis Chawa Chinja. Trupa Ransa Chawa Chinja Lotus. Trupa Ransa Chi means like all that we talk about, the contradictions are actually is illusion, you know, your own illusion. Because, for example, I'm here, Audrey here, I get angry, but some reason, but Audrey don't has this reason. But my illusion, I get angry, you know. So that's where mind disturbed. But the second person says, oh, why you get angry? There's nothing there, you know, like this. This kind of illusion, but illusion due to the emotions, you know, like, due to the emotions, if you go wrong way, then the path is problem. So therefore, Trupa Ransa Hiva Chinjala. Trupa, this illusion, asking blessing naturally through the practice, through the observation, naturally dissolve without forcing, without using method, using antidote, naturally like clear my mind, you know. Un autre terme, une autre phrase est utilisée et je les explique toujours avec ce contexte d'être dans la relation avec le lama. Cette autre phrase est le fait que Chulpa Rangsar Shiwar Chinjilop. Donc je requiers la bénédiction afin que l'illusion, afin que toutes ces contradictions dont je parlais, qui sont juste notre propre illusion, notre propre confusion, se dissipe d'elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, je me trouve ici, assis, et je peux peut-être avoir une cause pour être en colère, mais Audrey, qui est assis à côté de moi, n'a pas cette même cause de colère. Et donc, moi, j'ai l'esprit perturbé, mais elle n'aura pas l'esprit perturbé, parce qu'en fait, c'est simplement ma propre illusion, en fait. Et donc, lorsque l'on parle de l'illusion, c'est le fait que les émotions, que le mouvement émotionnel vient créer l'illusion, vient créer la confusion. Et nous requérons donc la bénédiction afin que notre pratique ne connaisse pas d'obstacles, et ceci de manière naturelle, c'est-à-dire que cette illusion vienne se dissoudre, vienne se dissiper naturellement. Et ceci sans utiliser d'antidote ou sans utiliser de remède, nous souhaitons que simplement notre esprit se pacifie ou se clarifie. So, like the answer of the question is how to link with the Lama. So then, first we do practice, and we talked about before, remain yourself with the devotion, with the confidence. Then try to be inseparable with the Lamas and the blessing. Then there is a requirement is a show lam tun do chin je lap to so lam tu ba sa wa chin je lap to so lo chu so what the beginning lo chu so do these sentences are you have to keep, you know, lo chu so do. Why? Because sometimes our mind has like also contradicting, you know, many method. Some are more kind of how you say, convinced by the different method. Of course, this is good, but some that's reason. If you really lo chö sun do, then it's much better, you know. Lo chö sun do, then chö lam tro means whatever we do, and then goes smooth with the path of Dhamma. So this kind of wishes and the prayers, then it's a very important link with the Lama, link then your own devotion. And then in order to have a devotion, that's why I said beginning how some lamas are very perfectly, you can see, then there is a way to devotion, you know. But some teachers they are chaotic, little bit problem, then devotion is disturbed, so difficult to go, you know, connect, you know. But that's the reason I'm saying, like such a long time
like we talk about now, Lama Thongsa, such a long time, really to remain with the perfect means quite rare and very, special. And then these kind of things has the capacity also we can link with the Lama, you can link with your practice, you know, these things that you can do, you know. Comment se relier au Lama? Bien, il s'agit en fait de pratiquer et de demeurer avec cette dimension de confiance et de dévotion dont nous parlions. Essayer de rester inséparable du Lama, que notre esprit soit indissociable de celui du Lama. Et puis de se rappeler de ces phrases que nous venons d'évoquer, notamment en commençant par la première, Lo Chusu Joa Chinji Labdusol, de lui adresser la requête, la prière, que notre esprit suive le Dharma. Parce qu'en fait, il y a de nombreuses méthodes qui peuvent nous être proposées. Et puis, on peut être convaincu par une méthode ou par l'autre. Et ce n'est pas si mal, en fait. Il n'y a pas de problème avec ça. Sauf qu'en fait, la méthode du Dharma reste quand même une bonne méthode. Et donc, la requête que nous adressons, c'est que notre esprit, eh bien, en fait, suive ce chemin du Dharma. Puis ensuite, nous adressons la requête que le Dharma, que le chemin que nous empruntons, eh bien, soit vraiment celui du Dharma. C'est-à-dire que quoi que l'on fasse, que tout soit facile ou que tout découle ou coule de manière naturelle et facile. Et donc on essaye ainsi de garder ce lien avec ces phrases de référence et avec ceci, avec notre dévotion. Et comme nous l'avons vu avant, quelle est la cause de la dévotion, ou comment faire naître la dévotion? Eh bien, il s'agit de regarder la vie de Lama Tenzang en l'occurrence, et de voir à quel point elle était parfaite sous tous ses aspects. Et ça, ceci, en fait, est ce qui va nous permettre de développer cette dévotion. Parce que parfois, on peut avoir un enseignant, et cet enseignant peut être un peu chaotique, avoir créé des difficultés ou des problèmes, et alors, cela vient perturber la dévotion qu'on peut avoir, où il est difficile de générer de la dévotion à l'égard de tel enseignant. Dans le cas de Lama Tenzang, en fait, lui, pendant très longtemps, il est demeuré dans ce type de perfection, en fait. Et ça, c'est quelque chose de rare et de tout à fait spécial. Et donc, si nous sommes en capacité de nous relier avec ceci, de relier ceci via notre pratique, alors c'est ce que je vous enjoins de faire, parce que c'est ce qu'il s'agit de pouvoir développer. So, I think I told everything more or less. Very reasonable, but quite dense, you know. So I think you will think about a little bit more, you know. So it's important. Then main important is all the practitioners come together, and then time to time come together, practice, and listen teaching, and continuity. Continuity is very important, because the reason why here we're all looking for kind of liberation from the suffering, you know, this everybody's goal is there, I think. So in order to liberation of the suffering, we need to always help each other, come together, help each other. Through this, then kind of the topic of the Dhamma, share each other. Through this, we know how to take the direction of the liberation. So this is very important. So always gathering together and practice, and you know, like now is a very nice possibility to do Nyungne. You know, these things are already settled, all the possibility. So everybody put effort and spend the time with this. I think this is very important. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Je l'ai dit de façon résumée, mais aussi un peu dense. Donc vous pouvez y réfléchir un peu plus. Réfléchir à l'importance de ces différents points. L'important étant en fait que
tous les pratiquants puissent se rassembler et pratiquer ensemble. Parce que cette continuité de la pratique est ce qui est vraiment le point essentiel, le point crucial. Parce qu'ici, nous cherchons tous, en fait, à nous affranchir du mal-être, à nous libérer de la souffrance. C'est le but pour lequel nous sommes ici. Et pour cela, nous avons besoin de nous aider les uns les autres. Nous avons besoin de partager le dharma, d'être ensemble pour cela. Et de prendre cette direction de la libération. Et pour prendre cette direction de la libération, eh bien, cela est facilité par le fait d'être ensemble et par le fait de pratiquer. Il y a ici, par exemple, la possibilité de faire des nyunés. Toutes les conditions ont été mises en place pour cela. Il y a eu des efforts de fournir. Donc, il est possible eh bien, d'y consacrer du temps à son tour, de fournir des efforts. Et c'est ça quelque chose de vraiment d'important pour progresser dans cette direction de la libération. So, the lama has left, everything's ready for everybody, then he left, you know. So, I think this is I find also very important. Now everybody can follow this, there is no difficult, you know, following this. So this, then you can use the opportunity, you know. En fait, Lama Tenzong est parti une fois que tout a été prêt. C'est-à-dire que tout était prêt, tout était terminé, et Lama est parti. Et ça aussi, c'est important parce qu'il est parti maintenant que tout est là. Et que tout le monde puisse venir sans difficulté, puisse suivre les enseignements, etc. Et donc, utiliser cette opportunité est quelque chose de vraiment essentiel. Okay, so thank you very much. Everybody listen, and then I hope everything continue, you know, continue. So I will make this wish and then I'll make dedicate. Donc merci à tous pour votre écoute, pour être venus. Donc maintenant je vais, pendant la dédicace, le reversement des mérites, je vais faire ce souhait que tout puisse continuer et que les choses puissent justement continuer dans la direction que Lama a impulsée. Good and you. Good, thank you. It's good to see you. No, I'm in Lyon. No, yes. So not far from here. Yes.